Bonjour, donc voilà un nouveau truc et astuce pour l'outil transformation trapèze perspective. Alors j'ai fait un texte auparavant que j'ai converti donc en calque image. Ici donc je vais prendre l'outil transformation et trapèze perspective. Donc je vais choisir un axe vertical, parce que vous voyez axe horizontal votre texte va partir du sens de bas en haut. Donc axe vertical, ça va partir de droite à gauche ou de gauche à droite, comme vous voulez. Donc ici, vous voyez, si je joue dans les déformations à gauche, donc c'est ce qui part à gauche, vous voyez que mon texte, il rétrécit sur votre gauche ici. Donc déformation à droite, ça va être pareil. Vous voyez, si je déforme à droite, le texte, il est déformé ici. Donc après, donc admettons, je vais mettre un grand, une grande à droite, et à gauche, je vais mettre en plus petit. Donc je fais OK. Vous voyez que mon texte donc a pris une forme moins grande ici, à plus grande ici. Donc après, à vous, comme d'habitude, à voir ce que vous voulez faire comme effet sur votre outil texte. Bon, j'espère que ce petit truc et astuce vous aura un peu plus aiguillé sur l'outil transformation trapèze perspective pour le texte. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.